Non mais sans déconner, t'y crois toi? Après tout ce que j'ai fait pour lui, il me zappe comme ça. J'ai toujours été sympa, j'ai dit oui à tout, il m'a même présenté sa mère. Non mais t'as sûrement raison. Je te laisse, je te rappelle ce soir. Bisous. Oula, je vois que je suis pas seul à avoir passé un week-end de merde. Mon chat, il a vomi sur le costume que j'avais loué pour le mariage de ma cousine. J'ai dû y aller en jean et basket, j'avais pas l'air con au milieu de tous ces péteux, moi. Ça t'arrive jamais d'avoir une journée normale, toi? Mais sinon, c'est sympa de t'inquiéter pour moi, mais j'ai passé un super week-end. Ah, je croyais avoir compris que tu t'étais fait larguer par ton mec ou un truc comme ça. Alors déjà, de 1, tu ferais mieux d'arrêter d'écouter aux portes, et de 2, j'ai pas de mec. Ça fait 3 ans qu'on pense ensemble, tu devrais le savoir quand même. En même temps, excuse-moi, mais tu demandes pas des nouvelles de ma copine tous les jours non plus. Hein. Et comment elle va, ta copine? Ah, mais j'en ai pas, c'était juste comme ça, façon de parler. Et du coup, pourquoi tu fais la gueule? La semaine de ski. Le boss m'a même pas proposé de venir. Il amène le stagiaire. Le stagiaire, ça fait à peine une semaine qu'il est là, et il l'amène. À croire que je suis juste à boniche. Ah, je veux pas faire de conclusion hâtive, mais le fait que tu lui aies dit « jamais je mettrai les pieds à la montagne, y a pas une semaine », tu crois pas que ça joue un peu? Ah ouais. Non mais, s'il prend tout au pied de la lettre aussi. Oh les gars, vous avez entendu parler du week-end au ski? 2 conférences de 4 heures, tous les jours, pendant une semaine. Week-end compris. Heureusement, ma convention de stage, elle prend pas en compte les déplacements. Du coup, je sais pas si vous connaissez Lisa, mais c'est elle qui me remplace. C'est un ordre du boss. Oh la merde. Ah le con, je me disais bien qu'il avait vomi quelque part d'autre. Putain, je vais mettre 3 heures à nettoyer ça. Comment il est pourri ce lundi?